est sorti pour acclamer son arrivée. Voilà, comme nous l'avons deviné, le chef de l'État fait un signe de la main à l'endroit de tous ceux qui sont venus ici l'acclamer. Adoum Aboubakar, qu'est-ce que vous avez un mot à dire? شكرًا زميل نعيم ها لقد وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبعد استقباله رسميًا من قبل قائد الجيش وصلوا هنا بقصر الخمس أشهر وحيث استقبله في عند المدخل الرئيسي لقصر الخمس أشهر من يناير دكتور هارون كبادي رئيس الجمعية الوطنية وقد تبادل معه بعض أطراف الحديث ثم سيدخل فخامته إلى قصر الخامس أشهر من يناير حيث هناك الكثير والكثير من قيادات المجتمع المدني وال الوجهاء وكبار الشخصيات لإعلان الجمهورية من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والآن تشاهدون أن بعض الشخصيات والنواب الجمعية الوطنية دخلوا إلى الصالة الكبرى وسيدخل فخامة رئيس الجمهورية مباشرة إلى الصالة نعم وقد دخل فعلا وقد دخل بالفعل وحيا السيد رئيس الجمهورية الكرام وهو يتقدم نحوهم تدريجيا نعم كان هذا هو الحدث التاريخي الذي ينتظره شعب تشادي بفارغ الصبر وها اليوم ان شاء الله سيقوم رئيس الجمهورية بإعلان الجمهورية الرابعة هو ميلاد الجمهورية الرابعة اي اذا صح التعبير نعم نعم Oui, chers téléspectateurs, comme vous venez de le suivre sur votre petit écran, le président de la République vient de faire son entrée dans la salle. Il a eu droit à un standing ovation de la salle pendant plus d'une minute. Il est rentré en salle accompagné du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, et du Premier ministre Paimi Padake Albert, qui, il faut le rappeler, hier a remis sa lettre de démission officiellement, ce qui signe déjà la démission du Premier ministre et qui emporte avec lui son gouvernement. Donc dans les jours à venir, ou soit même ce soir, on devrait s'attendre à la constitution d'un nouveau gouvernement. Puisqu'il faut aussi le rappeler, avec cette 4e République, le poste de Premier ministre a été supprimé, c'est là... au vu du fait que le président de la République aura la charge de conduire personnellement l'action gouvernementale à son niveau. Voilà les députés qui tous sont debout, arborant le tricolore national et voilà saluant le chef de l'État par une grande ovation comme ce fut à son entrée tout à l'heure. Voilà, chers téléspectateurs, vous voyez vous-même sur votre petit écran, la salle est archi-comble. Le haut et le bas du palais du 15 janvier est rempli. Merci. Et, la même chose ici à l'extérieur. Merci, donc cela montre à quel point la cérémonie Merci, est grande et en Merci. Même temps qu'elle soit également belle. Nous vous laissons déguster ces moments en attendant. Merci, le début de la cérémonie qui certainement ne va pas tarder à commencer. Ce jour, vendredi 4 mai 2018, marque le début de la nouvelle ère, celle de la promulgation de la 4e République.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Président du Haut Comité technique des réformes institutionnelles, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, l'ossature de la cérémonie marquant la promulgation de la 4e République se présente comme suit. Monsieur le Président du Comité de suivi et de résolution du Forum va prononcer une allocution de circonstance. Allocution qui sera suivie par la signature de la loi constitutionnelle. Le discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, marquera la fin de cette cérémonie solennelle. Il y a de cela 37 jours que lors de la clôture des travaux du Forum national inclusif tenu dans cette salle mythique et historique, le peuple tchadien a décidé de prendre son destin en main en passant de la 3e à la 14e République avec un régime présidentiel intégré. La naissance de cette nouvelle République est un événement capital dont le peuple attend avec enthousiasme et espoir. Car vous vous souvenez qu'au cours des débats lors de ces assises du Forum national inclusif, plus de 1200 Tchadiens représentant les différentes compositions sociologiques de notre pays se sont retrouvés ici même et ont débattu dans tous les sens, leur devenir, leur Tchad. Je voudrais, en ma qualité de double fonction, en tant que président du Présidium du Forum et en même temps du comité de suivi des résolutions du dit Forum, féliciter chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le succès enregistré et l'assurer que le comité de suivi est déjà à pied d'œuvre pour la rédaction de toutes les décisions du Forum. Nous sommes là et nous serons là pour que le Tchad de demain ne ressemble plus au Tchad d'aujourd'hui. Nous sommes là pour ça. Nos félicitations vont également à l'endroit des Tchadiens et à l'endroit des Tchadiens qui sont venus de loin. Je suis convaincu que depuis 24 heures, beaucoup ne dorment pas. Mais enfin, aujourd'hui, on va dormir tranquillement. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans quelques minutes, nous allons vivre un moment décisif de l'histoire de notre cher pays. Car nous serons des témoins oculaires de la naissance de la 4e République qui restera éternellement gravée dans les annales
de l'histoire politique de notre cher pays, le Tchad. Pour finir, nous tenons ici à rendre hommage à un homme, un grand homme, qui a mis tout en œuvre pour le succès du forum, mais qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il s'agit du regretté Béissanda Ndjembare Julien, deuxième vice-président du Présidium, qui nous a été arraché par la mort le 28 avril 2018. Que son âme repose en paix. Vive la République, vive la 4e République. Que Dieu bénisse tous les Tchadiens pour que cette nouvelle République soit le symbole de notre réussite totale et nationale. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous invitons à la signature solennelle de la loi constitutionnelle instaurant la 4e République du Tchad. Madame Mariam Mamadnour, nous vous invitons à remettre un exemplaire imprimé
de la Constitution à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La remise officielle de la Constitution à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'allais dire son Excellence, Monsieur le Président de la 4e République. Nous invitons le protocole d'État à prendre les dispositions pour remettre les exemplaires de la Constitution au corps constitué. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les présidents de grandes institutions de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, y compris bien sûr mon cher ami Fahimi, à qui je lui rends un hommage mérité, avec son équipe bien sûr. Monsieur le Président du Haut Comité et du comité technique de suivi du forum sur la réforme institutionnelle, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les chefs traditionnels et les leaders religieux, Mesdames, Messieurs les chefs des partis politiques, généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. L'aube nouvelle que les filles et les fils du Tchad appellent de tout leur vœu commence. La 4e République entame ses premières heures. L'entrée en vigueur effective de la nouvelle Constitution consacre la refondation de notre nation qui se veut plus ambitieuse et plus forte. Raïs al-Jamhouriya, Kabir al-Dawla, Gal, Asayid, Raïs al-Jamhouriya al-Wataniya, Sayyidat al-Bilad al-Oula, Assada wa Sayyidat, wa Asa al-Mu'assasat al-Kubra lil-Jamhouriya, Assada, الوزراء الأول السابقين بما فيهم رئيس الوزراء فايم فتاغي السيد الرئيس بقول بقدم له المجد والإكرام الكبير السادة رؤساء اللجنة الفنية واللجنة متابعة المنتدى بخصوص الإصلاحات المؤسسية السادة النواب الديبيتي السادة السفراء وممثلين المنظمات الدولية السادة الشيوخ التقليديين والدينيين السادة رؤساء الأحزاب السياسية السادة الضباط ضباط القادة والضباط للقوات الدفاع والأمن اليوم الفجر الجديد اللي بيتمنوه أبناء وبنات تشاد بكل أمنياتهم بدأ خلاص اليوم تبدأ الساعات الأولى هنت الجمهورية الرابعة لأن الدخول الفعلي عن الدستور الجديد حيز التنفيذ بشكل إعادة تأسيس أمتنا التدور تبقى طموحة زيادة وأشد قوة. Ce cadre nouveau, résolument tourné vers le futur et la modernité, ouvre une page blanche de sa vie et de son histoire. Cette
page nouvelle portera des mentions sublimes qui expriment les grandes ambitions des Tchadiens pour leur pays. À cet instant précis, je mesure l'importance et la délicatesse de la mission que les Tchadiens et les Tchadiennes viennent de me confier une fois de plus. Le sentiment qui m'anime est aussi partagé par l'ensemble des patriotes, car je sais que nous avons un seul et unique dessein pour notre nation. Il s'agit de l'édification du Tchad éternel, qui assure aux générations actuelles et futures leur plein et entier épanouissement. En adoptant à une écrasante majorité la loi fondamentale de la 4e République, la représentation nationale a joué pleinement son rôle républicain, celui de porter la voix du peuple dont elle est l'émanation. كبير الدولة قال تشاد الجديدة متوجهة نحو المستقبل والحداثة تبدأ صفحة جديدة بيضاء بالكامل في حياتها وفي تاريخها. الصفحة الجديدة دي عندها إشارات سامية تعبر عن طموحات عظيمة وكبيرة عند التشادين لبلدهم تشاد الحبيبة. وقال اللحظة دي أنا نقدر مدى الأهمية ودقة المهمة هل كانت التشاديين كلفوني بها لمرة أخرى. أنا نشعر نفس الشعور من جميع الوطنيين، لأن أنا نعرف بكونه كلنا عندنا هدف واحد، هدفنا واحد فقط لبلدنا تشاد. هدفنا هو البنى أنا تشاد خالدة تضمن للأجيال الحالية والقادمة ازدهارهم الكامل. باعتماد القانون الأساسي للجمهورية الرابعة بأغلبية ساهقة الممثلية الوطنية البرلمان لدورها الجمهوري بصورة كاملة وحملت صوت الشعب الهيبس منبثقة منا. Les députés ont respecté à la lettre la volonté souveraine du peuple qui s'est exprimé lors de la dernière présidentielle et du récent forum inclusif sur la réforme institutionnelle. Aussi, voudrais-je féliciter vivement l'ensemble des députés qui ont écouté la voix de leur conscience, en opérant le choix utile, le choix du peuple. Je félicite également le Haut Comité de réforme institutionnelle, le Comité technique, le Comité de suivi des conclusions du Forum national inclusif et tous ceux qui ont contribué à la naissance de la 4e République. Distingués invités, mesdames et messieurs, la nouvelle Constitution qui entre dans sa phase matérielle est le parfait condensé des aspirations et les attentes du peuple. Cette constitution, qui vise exclusivement la cause et l'intérêt supérieur du pays, s'inspire durant des enseignements du passé et se nourrit de notre vision partagée pour le futur. كبير الدولة زاد في كلامه قال لأن النواب الديبيتي احترموا بشكل صارم الإرادة السيادية عند الشعب التشادي الكان عبروها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ووقت المنتدى الوطني الشامل حول الإصلاحات المؤسسية. فقال ندور أيضا نهني ونشكر جميع النواب الديبيتي الكان سمو صوت على ضمائرهم وشالوا الاختيار النافي والمفيد اختيار هنا الشعب التشادي. ايضا نهني ونشكر اللجنه العليا للاصلاحات المؤسسيه
واللجنة الفنية ولجنة متابعة مخرجات المنتدى الوطني وجميع الناس الساهموا في ولادة الجمهورية الرابعة. الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، إن الدستور الجديد الخلاص بدخل في مرحلة العملية هو الخلاصة الحقيقية لتطلعات الشعب التشادي وتوقعاتهم. الدستور ده هدف الأساسي هو القضية والمصلحة العليا عند البلد، وبيعتمد لدروس الماضي وبيتغذى من رؤيتنا المشتركة للمستقبل. نجاد Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous avons pris tous l'engagement de réformer, de refonder la nation. Ce défi collectif nous assigne un certain nombre d'actions concrètes à réaliser. Il faut renforcer la démocratie, assurer la justice sociale, garantir l'état des droits et réorganiser la vie politique et associative. Nous devons naturellement assurer l'ancrage de la bonne gouvernance et la transparence qui sont les chemins les plus sûrs devant nous conduire vers l'émergence. Il faut également donner une plus grande cohérence et solidité aux institutions nouvelles en phase avec les impératifs de la nouvelle République. Ce chantier est assurément immense et exige de tous, de tous les Tchadiens, une mobilisation sans faille et un engagement patriotique. Nous devons asseoir une nouvelle culture de responsabilité qui est en totale adéquation avec les défis de l'heure. C'est pourquoi j'invite chaque Tchadienne et chaque Tchadien à un changement de paradigme dans la manière de concevoir l'action publique. La 4e République est bâtie sur des valeurs fortes qui impose des attitudes, des pratiques et des comportements nouveaux et vertueux. À cet égard, la maîtrise du train de vie de l'État, la rigueur dans la gestion de la chose publique et l'assainissement de nos finances publiques doivent être au centre de nos priorités. De même, la lutte contre le détournement des deniers publics et la prévarication est un engagement qui doit être la règle pour tous les acteurs. L'équipe gouvernementale qui sera mise en place aura la mission première de mener une guerre sans merci contre toutes les formes. Contre toutes les formes des pratiques qui sapent le développement et compromettent le futur de la nation. Je reconnais volontiers que de nombreuses personnes ont bâti des fortunes importantes sur la base du détournement et de la corruption. Je vous assure, mes chers compatriotes, que cette machine de l'enrichissement illicite et immoral va cesser de fonctionner, quelle que soit sa marque et sa puissance. La mise en place d'un pôle judiciaire chargé de la répression des infractions économiques et financières, qui est l'une des résolutions majeures du Forum national inclusif, et la traduction concrète de cet engagement. Ceux qui pensent toujours
qu'ils ont le quitus de détourner allègrement et impunément les deniers publics seront dénoncés, traqués et poursuivis conformément à la loi en vigueur. Dorénavant, tout responsable, tout travailleur doit vivre dignement de son salaire qui est connu. أنينا كلنا تعهدنا بإعادة البناء عن الأمة التشادية والتهدي الجماعي دا يتطلب مننا تحقيق عدد معين من الإجراءات الملموسة يجب علينا تعزيز الديمقراطية وضمان العدالة الاجتماعية وضمان دولة القانون والتنظيم الجديد عن الحياة السياسية والتجمعية يجب علينا تمكين الحكم الرشيد والشفافية اللي هم بس أحسن طريقة تودينا للتقدم والتطور أيضا ضروري ننطو أهمية كبيرة للتماسك والتطور نطور القدرة انت المؤسسات الجديدة عشان تتماشى مع مقتضيات الجمهورية الجديدة بلا شك المشروع ده وسيء وبيتطلب من جميع التشاهدين تعبئة كاملة بدون خلل ومشاركة وطنية أنينا ندور نكون ثقافة جديدة للمسؤولية عشان توافق تماما مع تحدياتنا الحالية أسباب ده قال نطلب من كل تشادي ومن كل تشادي أقلية يخيروا الطريقة إن تصورهم للخدمة العامة إنت الدولة لأن الجمهورية الرابعة دي أنبنت على قيم قوية تفرض مواقف وأفعال وممارسات وتصرفات جديدة فاضلة وحميدة في النهاية دي يجب السيطرة على أسلوب الحياة عن الدولة وإدارة الشؤون المالية العامة بدون أي فوضى وتطهير مواردنا المالية دي لازم تبقى أولوياتنا في خدمتنا وبمثل ده قال مكافحة اختلاس الأموال العامة ومهاربة الناس اللي بسرقوا أموال الدولة والتلاعب ده كله يبقى التزام الأساسية تبقى الحرب بدون شفقة ولا رحمة دي كل الأشكال هي الممارسات التنمية وتعرض مستقبل عن الأمة للخطر أنا قال نعرف تمام بكون كثير من الناس سألهم مال كثير وثروات هائلة بطريقة عن الاختلاس والسرقة ونهب عن أموال الدولة والفساد وقال الرئيس قال أننا دا كلنا نعرفه أن بيننا الكافر بارم مجيل النجس وقال نأكد لكم أيها المواطنين الأعزاء بكون المكنة انت السرقة والغنى الغير شرعي والغير أخلاقي دا المكنة دي بتان ما تخدم تجيف مهما كانت خويتها ومهما كان نوعها كن يبقى يا تغلى خلي يسمع دين خلي كفاية ده خلاص فات Mes chers compatriotes, la transformation profonde de notre pays ne peut se réaliser que par le travail, l'action et la dynamique du progrès. Dans toute l'administration, les agents de l'État doivent s'acquitter de leurs tâches quotidiennes avec dévouement et abnégation. Des contrôles permanents doivent être menés par les autorités compétentes en vue de débusquer et de sanctionner tout agent indélicat et veuré. L'obligation de résultat doit être la règle d'or de notre administration. À cet égard, un réaménagement s'impose
pour augmenter le temps de travail. Mes chers compatriotes, j'ai la conviction profonde que la durée hebdomadaire de travail qui est de 37 heures aujourd'hui est un luxe pour un pays comme le Tchad. Mes chers compatriotes, la 4e République a besoin d'une administration de développement, a besoin d'une administration qui sert les Tchadiens. A besoin d'une administration qui travaille, a besoin des hommes et des femmes debout. Pas assis. Ce travail sera fait avec des femmes et des hommes dynamiques, présents sur le terrain, aimant leur patrie et ayant foi en leur pays. Le respect de la puissance publique doit être un des impératifs de premier ordre de la nouvelle République, la 4e. Dans le sillage de cette politique, que la décision portant suppression des barrières installées dans les différentes régions du pays a été prise, à l'exception de celle de frontières. Il est indéniable que nombre de conflits communautaires qui sont enregistrés dans les pays sont alimentés et entretenus par certaines autorités administratives, politiques et militaires qui se sont transformées localement en éleveurs et en agriculteurs. La paix, la cohésion et l'harmonie sociale sont des ferments indispensables qui détermine le succès du chantier de renouveau. رئيس الجمهورية قال أننا أخواني وأخواتي المواطنين الأعزاء الجمهورية الرابعة ده عشان ندوره تبقى جمهورية نظيفة أسباب ده قال أننا محتاجين لتكوين إدارة تنمية تخدم التشاديين في الريف وفي المراكز الحضرية والأمل يبقى مع رجال ونساء أوين واقفين فوق بطونهم شاطرين حاضرين في الميدان بحب وطنهم وعندهم إيمان والثقة في بلد الشاد الاحترام على السلطة والحيبة انت الدولة واجب يبقى من أول ضرورات النظام في الجمهورية الجديدة الجمهورية الرابعة وفي إطار السياسة دي بس تم اتخاذ القرار على رفع الحواجز الباريرات الكان قاعدين في مختلف الاقاليم هنت البلاد كلهم رفعوهم الا يفضل البارير في المناطق الحدوديه فقط ومن المؤكد كثير من الخلافات والنزاعات القبليه المسجله في البلد اسبابها دائما هم بعض من المسؤولين الاداريين والسياسيين والعسكريين البهو من الكلام ده لخلافات عن بين المزارعين والناس الرحل فقال السلام والتماسك والوئام الاجتماعي هم العوامل الاساسيه البهدد النجاح على المشاريع انت التجديد Il est du devoir de toute la communauté nationale et surtout de la chefferie traditionnelle de s'investir pour que l'entente cordiale et l'union fraternelle demeurent une préoccupation quotidienne. J'exhorte vivement les chefs traditionnels à s'impliquer de manière totale dans cette quête de la cohabitation pacifique, de la cohésion et de l'unité nationale. Cet impératif de taille nous commande aussi d'abandonner certaines de nos pratiques qui entretiennent et perpétuent la haine entre les communautés. Je voudrais bien évidemment parler de la vendetta, ce phénomène de notre âge qui cause tant de préjudices à la paix sociale et à la cohabitation pacifique
en totale violation de la loi de la République. D'ailleurs, un projet de loi sur la question des bandes d'État sera initié dans les semaines à venir. Personne n'a le droit de se faire justice. Nous devons comprendre que ce pays est un précieux legs qu'il convient de préserver jalousement pour éviter la condamnation à la postérité. رئيس الجمهورية قال أسباب دا واجب المجتمع الوطني وبالأخص الشيوخ والسلاطين التقليديين واجب يتدخلوا عشان التفاهم والوحدة الأخوية يبقوا حقيقة يومية في بلدنا وقال نشجي بقوة المسؤولين التقليديين خليه يشاركوا مشاركة كاملة من أجل فتشين التعايش السلمي والوحدة الوطنية فقال الأمر المهم ده بفرض علينا أيضا نخل بعض لممارساتنا وأفعالنا المسبب الحقد والكراهية عن بين الناس وعن بين القبائل فقال ندور نكلم بالتأكيد بعمليات هنا الأخذ بالسعر معناتها شيلين التار دي ظاهرة من زمن قديم وتسبب أضرار للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي ومخالفة تمام للقانون على الجمهورية وبخصوص مسألة الأخذ بالسعر شيلين التار قال اتخذوا مشروع القانون في الأسابيع الجايين بس ممنوع لإنسان ما في أحد عند الحق يأخذ تارة بنفسه ويحكمه بس بنفسه يجب علينا نفهمه بكون البلد دي هي إرث قيم لازم نحتفظ بها بعناية قصوى حتى نتجنب إدانة الأجيال القادمة لبلدنا. Distingués invités, mesdames et messieurs, en insistant sur la paix sociale et la bonne cohabitation entre les Tchadiens, vous comprenez aisément qu'il s'agit effectivement du socle essentiel de notre progrès. Nous devons nous atteler à cimenter l'unité nationale en vue de matérialiser nos ambitions pour le Tchad de nouveau. Je prends l'engagement solennel de mettre en œuvre l'ensemble des résolutions issues du Forum national inclusif avant la fin de l'année 2018. Comme nous le savons tous, les réformes préconisées sont vitales pour notre pays et concernent tous les secteurs de la vie de la nation. Sans être exhaustif, le gouvernement va s'évertuer au plan économique à la création des conditions nécessaires pour assurer la diversification de notre économie en mettant un point d'honneur sur l'agriculture et l'élevage. Le développement de ces secteurs porteurs est le gage de la croissance et de la création des emplois pour les femmes et les jeunes. Justement, ces découches sociales doivent bénéficier de l'attention nécessaire pour leur permettre de libérer leur potentiel productif et contribuer à l'essor de la nation. Permettez-moi de mettre un accent particulier sur l'épanouissement de la femme qui est le pilier central du développement. Les pertinentes résolutions du Forum axées sur le rôle de la femme à l'ère du renouveau seront rapidement traduites en actes. Dans la même veine, des solutions appropriées seront apportées aux problématiques portant sur les violences faites aux femmes, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines,
et les discriminations diverses à l'endroit de la femme tchadienne. Nous devrions tout changer, hein. Moi, je prends l'engagement. Vous prenez l'engagement, les Tchadiens aussi. Les hommes aussi. La question centrale de la scolarisation des filles et la situation de la petite enfance constitueront également des priorités pour l'exécutif. Il est indéniable que sans éducation, le pays ne pourra tirer tout le potentiel du dividende démographique des femmes et des jeunes. C'est pourquoi il importe de mener de profondes réformes dans le secteur de l'éducation. Outre la préoccupation liée au bilinguisme intégral qui doit prendre corps à la base, nous devons repenser notre système éducatif pour qu'il réponde effectivement aux exigences actuelles. Nous devons développer une éducation qui suit la trajectoire du marché de l'emploi. À ce sujet, nous concentrerions d'importants investissements pour la construction des écoles professionnelles dans toutes les régions du Tchad. Ces centres de formation auront la vocation première d'aider les jeunes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leur cursus à s'insérer de manière harmonieuse dans la vie active. Ce sujet qui me tient à cœur pourrait constituer l'une des trames du Forum national de la jeunesse qui se tiendra à la mi-septembre de l'année 2018. La République doit encourager et soutenir les jeunes car nombre d'entre eux débordent de génie et d'initiative. Nous devons stimuler les jeunes qui mettent au point des projets crédibles dans des secteurs aussi importants tels que l'agriculture et l'élevage et l'environnement. Le regard attentionné que nous portons sur les jeunes doit aussi être orienté en direction des personnes handicapées. Nos frères et sœurs handicapés doivent bénéficier des programmes bien ciblés qui favorisent leur plein épanouissement. بالفعل القاعدة الأساسية لتقدمنا واجب نقوم بعمل جيد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق طموحاتنا للتشاد الجديدة. وقال أنا نتعهد رسميا بكون ملتزم بتنفيذ جميع قرارات المنتدى الوطني الشامل قبال نهاية السنة سنة 2018. مثل كلنا نعرفوه الإصلاحات دي حيوية لبلدنا وتشمل كل القطاعات حتى الحياة الوطنية. على العموم الحكومة تعمل في المجال الاقتصادي تهيئة الظروف اللازمة لضمان تنمية إنتاجنا بالتركيز على الزراعة والثروة الحيوانية، لأن تطوير القطاعات الواعدة دي هو ضمان النمو وخلق فرص حتى الأمل للنساء الأيين والشباب. الصدادة قال الشرايع الاثنين ديل واجب يلقوا الاهتمام اللازم من أجل تحرير إمكاناتهم الإنتاجية والمساهمة في نموها للأمة التشادية. وقال أسمه لي عشان يركز بشكل خاص في تطويرها للمرأة التشادية
المرأة الهبة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية للبلد. أسباب ده القرارات المنتدى تقص دور المرأة في العهد الجديد ده تترجم بسرعة في الواقع الملموس، وفي نفس المجال نقدم حلول مناسبة للقضايا المتعلقة بالأنف ضد المرأة والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية ومختلف أشكال التمييز ضد النساء. فقال التعهد ده أنا شلته ولازم أنت كلكم كي تشيلوا التعهد ده معي، لأن قال بدون التعليم البلد ما تتمكن أبدا من فائدة العائد الديمغرافي للشباب وللنساء الأبين. أسباب ده بالإضافة للاهتمام المتعلق بالثنائية اللغوية الكاملة التي يجب أن تتبلور على مستوى الأساس، لازم نفكر في نظام التعليم من جديد حتى يرد بالفعل لتلبية متطلبات الحالية انت الوقت. يجب علينا تطوير التعليم الذي يتبع في مسار سوق العمل، وفي هذا الصدد سنقوم باستثمارات كبيرة ومهمة من أجل بناء المدارس المهنية في كل المناطق على بلدنا تشاد. المدارس دي يكون فوقها مهنيين أساسيين، والمدارس دي تبقى تساعد الشباب المالك الفرصة لمواصلة دراساتهم من أجل انتماءهم في الحياة العملية. فقال موضوع أنا الشباب ده أنا بهمني زيادة وبشغل بالي، ويمكن يبقى موضوع من مواضيع المنتدى الوطني للشباب الببقى في منتصف شهر سبتمبر على سنة 2018. Distingués invités, mesdames et messieurs, il serait peut-être fastidieux d'évoquer longuement les actions au centre de la 4e République, mais je voudrais simplement noter qu'aucune résolution du forum ne sera occultée. Qu'il s'agisse de l'eau potable, de l'énergie, de l'environnement, tous les secteurs qui aiguillonnent la croissance économique seront nos priorités de tous les instants. Sur le terrain politique, les élections législatives doivent se tenir comme annoncé au mois de novembre 2018. Elles seront suivies immédiatement des élections locales qui sont bien entendu un challenge de taille à gagner. J'estime que la sérénité du jeu politique, qu'il est nécessaire de restaurer le cadre de dialogue politique dans notre pays. Cette structure qui ressemble à un élan fraternel, la majorité présidentielle et l'opposition démocratique fait le charme et la vitalité de notre jeune démocratie. يجب على الجمهورية تشجع وتدعم الشباب، لأن كثير منهم عندهم عبقرية ومبادرة سمحة. أننا نساعد الشباب البغض ومشاريع عندها مصداقية في مجالات مهمة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة. النظرة اللطيفة عندنا لها للشباب موجهة أيضا للناس المعوقين. أخواننا وأخواتنا المعوقين هم كل لازم يستفيدوا من البرامج التساعدهم في تنميتهم. فقال نكلم حول الأعمال المهمة انت الجمهورية الرابعة. الحديث ببقى طويل وممل، لكن قال أنا ندور ببساطة نأكد بكونه قرار كمرك من المنتدى نخلو ما فيه، سواء كان في المياه الشرب أو الطاقة أو البيئة، كل المجالات تدفع النمو الاقتصادي تبقى أولوياتنا في كل وقت. فقال في الساحة السياسية لازم الانتخابات التشريعية تبقى في شهر نوفمبر 2018 مثل ما أولن.
وبعدها كمان تبقى الانتخابات المحلية اللي كل تحدي كبير واجب نرفعه. فقال أنا نعتقد من أجل تهدئة اللوبة السياسية ضروري إعادة إطار الحوار السياسي، لأن ده نظام بجمع بروح أخوية الأغلبية الرئاسية والمعارضة الديمقراطية وبنتي حيوية لديمقراطيتنا الفتية. Je saisis cette opportunité pour solliciter le concours et le soutien de nos partenaires techniques et financiers pour nous permettre d'organiser les échéances futures, c'est-à-dire les élections législatives et locales. Car oui, il nous sera difficile de tenir cet important pari eu égard à la modicité de nos ressources. فقال سيد الرئيس ننتهز هنا الفرصة دي عشان نطلب المساهمة والمساندة من شركائنا الفنيين والماليين من أجل تنظيم الانتخابات المستقبلية، معناتها الانتخابات التشريعية والمحلية، لأن من دون دعمهم من الصعب لنا تنظيم الانتخابات دي لأن مواردنا بسيطة ومحدودة. Distingués invités, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais ici, comme l'a demandé le forum, proclamer une amnistie générale. Je dis une amnistie générale de tous les Tchadiens qui, pour des raisons ou autres, je dirais donc qui, pour une raison ou d'autre, ont quitté leur pays, ceux qui sont partis dans le mercenariat, ceux qui nous ont combattus, ceux qui ont. Ils peuvent rentrer dignement dans leur pays. Avant de finir, je voudrais rendre un hommage mérité et particulier à l'actuelle équipe gouvernementale qui vient de nous quitter, qui a abattu un excellent travail pendant les 26 mois d'exercice. Je devrais vous rappeler que les difficultés auxquelles nous avons été confrontés pendant cette période et les défis auxquels le gouvernement a eu à faire face sont assez nombreux. Mais le gouvernement a su s'en sortir dans les différentes phases difficiles que nous avons traversées. Je parlerai du programme national de développement. Je parlerai de la crise sociale, l'organisation du forum, entre autres, le passage du Tchad au programme soutenu par Facilité. Le plus important, l'accord avec Grincor. Qui vous permet d'avoir des ressources supplémentaires. Je reconnais que ces hommes et ces femmes ont travaillé. Je n'ai rien à leur reprocher. Vive la République! Vive la 4e République! Vive la 4e République! Vive le Tchad! Je vous remercie.